Là c'est bon, là c'est bon, c'est en train de filmer. Ouais, c'est bon, on voit ouais, le. Donc en gros, pour expliquer la situation, on va expliquer un petit peu la situation. Donc en gros, pendant 4 jours, on était dans la monde et il y a hier, donc Bella World sont revenus parce qu'ils avaient déjà réservé. Et du coup, on part avec un long marché. Et ben du coup, eux ils vont prendre un autre Havre Monde et nous, ben on prend leur place. Donc tout à fait normal. Donc en gros, c'est nous qui prenons leur réservation. Tout à fait normal, légitime. Et donc là aujourd'hui ben on a commencé à gros ceux qui commençaient à venir pour un peu les décourager. Et bon il y a des kikous bien sûr. Et donc ben ils nous croient pas que nous on est prêt à Shane la guide qui pique notre travaux monde jusqu'à leur dissoudre. Jusqu'à dissoudre leur guide quoi. Parce que nous on est prêt à ça. Franchement je vous le dis direct. Même moi je passe PVP pour ça. Ouais grave. Ensuite comment dire Qu'est-ce que... On va expliquer... Mais bon... là, il y a 43 millions, un truc ce genre. Il est combien dehors, là? 52 millions, pardon. Je sais pas. Non, mais sortez pas. Donc oui, est-ce que j'explique à Strat? Oui, déjà, c'est dehors, parce qu'il peut pas rentrer. En fait, je sais. Au pire, on peut expliquer à Strat si on a le Havron. Ok, on met à Strat. Et si on l'a pas, ben on supprime. Enfin, tu coupes le passage. Non? Donc en gros pour expliquer la strat qu'on a bien organisé avec, enfin bien organisé, qu'on s'est un peu parlé avec les farmers interplanétaires. En gros, nous on est dans notre avant monde, et donc juste devant la monde, le avant monde, oui c'est ça. Quand il sera 16h59 et ouais tout court, les joueurs sans ailes, enfin les membres de la guide sans ailes vont sortir et ils vont essayer de surenchère. Donc forcément les Praetorium qui sont dehors, qui nous attendent, vont les aggro. Nous pendant ce temps, donc la seconde équipe à 16h59 et 40 secondes, les PVP vont sortir et vont aggro ceux qui sont sans ailes, qui sont devant la ronde. Tout ça pourquoi? En gros, pour vous expliquer, donc pendant une minute, bon forcément ils peuvent nous baiser, mais sachez que maintenant dans le combat, il y a une minute pour le placement. Donc on les a. Deuxièmement, les sans ailes qu'on a gros, ils ont que 40 secondes. En 40 secondes, ils ont 10 secondes entre, tu vois, un petit peu le lag, enfin on va dire, ou la latence pour le phase de placement. Et s'ils veulent abandonner, bah ils abandonnent, mais ils perdent 10 secondes pour abandonner le combat. Du coup, il leur reste plus que 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, ils ont, on va dire, 20 secondes minimum de trajet pour venir ici, parce qu'ils doivent se taper à Phoenix. S'ils ont lié le phénix là-bas, qui est à Kara Nord, on va dire. Et en gros, ils doivent prendre la Dragodan, puis prendre. Puis ils arrivent en bas, et puis ils montent, puis ça, donc à pied. Donc ils ont 20 secondes minimum de trajet. Ensuite, ils ont 10 secondes pour s'enchérir. Donc c'est là que intervient l'équipe 3. Donc après, qu'il restera plus que 30 secondes, l'équipe 3 sort, ils surenchérissent, et ils aggro s'il y a des gens qui sont sans ailes qui restent, et on surenchérit et on se transforme en mode pommier, et ensuite on se met assis. On utilise les modes assis parce que quand vous êtes debout, on peut enlever votre mode arbre en utilisant les modes à cible. Du coup les modes vous pouvez enlever le mode arbre. Donc du coup quand vous êtes assis, vous pouvez pas lancer des modes à cible, vous pouvez pas enlever le mode arbre. Donc du coup on surenchérit, donc du coup pendant 10 secondes, ils seront stressés, ils seront sous la pression. Du coup, ils vont voir un gros pommier, donc ils seront ils seront surpris. Ils auront 10 secondes pour sélectionner, parce que bon, soit ils essaient de chercher la petite partie du avant pour surenchérir, soit ils doivent sélectionner chaque membre pour trouver la fonction de surenchérir, et ensuite surenchérir. Mais en 10 secondes, est-ce que avec la pression qu'ils auront, voilà. Après, le suspense est au. Je sais pas comment on dit. Voilà, vous avez compris. Comment? À son comble, voilà. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Et pourtant, on a qui sont avec nous? On a Tania. Bah, MP. Déjà, on va regarder le prix. Hein. Faut MP. Mais pourquoi? Mais putain, c'est sérieux. Dis-lui qu'en plus, tu filmes, quoi, qu'il passerait pour un lâche. Parce que déjà que les Praetorium ils n'arrêtent pas de nous aggroper histoire parce que ils aiment pas Bonta, on sait même pas pourquoi. Parce que Seven Crow qui est là. Hein. Et voilà quoi. Mad, il y a Guild Seven Crow qui est là. Ouais.
Mais ils sont combien? Ils sont avec nous, eux. Bon, je viens de dire la chanson qui m'a porté chance. Ils sont avec qui, les Seven Crow? C'est des Rictus, mais je crois pas qu'ils sont avec Praetorium, il me semble que non. Ah. C'était cette musique-là. Oui. Bon, il reste plus que 5 minutes. Tu as dit que tu as filmé? Tu veux attends. Non. Ok. T'es sûr que tu veux sortir à 59 et pas avant? Parce que là, ça va être chaud. Hein. Non, 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 t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. À 59, non, non. Attends. Bah, décidez-vous vite. Ça va aller vite, hein. Ça va aller super vite, là. Ouais. Parce que... 58 et 50 secondes. Non, pas 30 secondes. Parce que avec le lag de sortie, pour ceux qu'on... Écoutez, 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 écoutez. Vous voulez pas tester quand même? Vous voulez pas tester quand même? Moi, je dis, allez, limite. Limite. À 58 et 45 secondes. Franchement, c'est le pro max. On peut pas faire plus. On peut pas faire plus. Dans 2 minutes. Moins de 2 minutes. Alors, moins de 2 minutes, les gars, préparez-vous. Préparez-vous, là, c'est bon. Là. Si vous voulez, je relance. C'est clair, je ne peux pas sortir. Ah, il reste à 57. On se sépare. Donc, à 58 et 40 secondes. Attends, stop. L'équipe 1, c'est les sans ailes. Vous sortez et vous surenchérissez. Non, mais t'inquiète, Spartiate. Oh, putain. Oh, putain. Non, non. En fait, là, on est niqué. Non, là, on est niqué. Le abonnement du Royaume Sadia, c'est à 210 millions. On est niqué. Okay, c'est mort alors. Non, c'est 57. Non. C'est à mon signal. Ah, je vais mourir, les enfants. C'est à mon signal. C'est moi qui vous dis, franchement. Oh, c'est putain, moi qui... j'en peux plus. Je vais mourir. J'en peux plus. C'est le seul moment où on s'autorise à spam, putain. Allez les gars. Oh, j'ai le cœur qui bat à 40 000. On va pareil. J'ai l'impression d'avoir couru 15 km. Allez, il reste 10 secondes. Non, 15 secondes. 10 secondes. Allez les gars. Are you ready? Allez les gars. 5 secondes, vous êtes prêts? Allez les gars. Vous êtes prêts? C'est parti, go. Go. Allez. Go. Oh le lag. Y'a personne. Y'a personne là, gros. Y'a rien. Ah, je suis pas gros. Ça bug de ouf. C'est bon, je me suis pas gros. Je spam. Je suis pas gros, moi. Ils m'ont muti. Allez. Là, il y en reste. Ah non, il y a encore un record d'autres. C'est bon, je suis en train d'enchérir. Oui. Entrez, pas spam. Spam et entrez. Je suis en train de maintenir des rictus, là. Je suis en train de retenir deux mecs. Moi, j'ai un Praetorium, j'en ai un. C'est ce que je fais, c'est bon. Non, je suis épiré. J'ai aggro épiré. Ça renchérit pas, les gars, ça renchérit pas. Team Noob sont arrivés. Allez. Ça renchérit pas, les gars. Allez. Ça renchérit pas. Allez, 15 secondes. Allez. Ça renchérit pas, je suis en train de spammer. Allez. Vite. Putain de ta mère, la putain de ta race. Oh non. Je suis en train de spammer. Oui, 5 secondes, non, c'est bon. Ouais. Pas mal. Ouais. On va redonner le combat, je m'en bats les couilles.
C'est qu'à peu près. C'est pour de vrai, c'est pour de vrai, je suis trop content. Du coup, on l'a eu pour combien? Je sais pas, 47 millions, je crois. On l'a eu. Yes. On vous baisse, putain. Ouais, vas-y, crie, crie, on l'a eu. Je m'en fous, on est content. Là, le no, c'est pas grave, il est déjà arrivé. Mais moi, je suis mort. Attendez-moi. Moi aussi, je suis mort. Arrêtez. Je vous aime, les gars. Attendez-moi, je suis mort. Je vous aime, putain. J'entrevois. Alors, la team malade. Alors, c'est qui disait qu'on allait pas la voir? Pardon. Je tremble encore, les mecs. Je tremble encore. On a vaincu Praetorium. Vous imaginez? Ouais, on a vaincu tout le monde. Ah putain, oh, c'est pas grave, j'ai servi à tout pour rien. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Descartes. J'ai changé de pseudo d'ailleurs. Après Sedokai, après Sedamadara, après... Non, j'ai rigolé. Mais non, c'est sérieux. Ah non, c'est bon, je change plus de pseudo. Donc voilà, donc on a réussi à voir leur monde. Enfin, on a niqué Berlour. Non, on a plutôt fait un arrangement. Et franchement, je trouve ça... Franchement, je remercie d'ailleurs d'avoir... qu'on a fait cet arrangement. Ah, d'accord, ouais. Après Ethereum, bon, c'est vrai que quand ils sont commencés à se ramener à, je crois que c'était vers 15h40, hein, ce genre, là on s'est dit, là on c'est chaud quand même, enfin là c'est chaud quoi, il y a le mec, c'était Azazel, oui c'est Azazel, voilà, Azazel qui commence à venir, je sais pas quoi, parce que nous on commence à aggro, donc on essaie de faire peur, d'ailleurs désolé à ceux qu'on a aggro, mais franchement ça on le mérite, plein de gens nous l'ont dit et on le mérite, donc du coup on devait l'avoir, on n'avait pas le choix. En plus le nombre limité de 24 heures au monde, je peux vous l'assurer que franchement t'es obligé de faire la pute, en guillemets, entre guillemets, donc voilà. Puis j'ai envie de dire, ouais après je crois qu'on est proche des Avromondes qu'on a payé le moins cher, je crois, il me semble. Après t'avais après t'as pris un certain liste qui a piqué celui de Mimosa. Vraiment il a pris celui de j'ai entendu parler de 4 prêtres, donc voilà. Après voilà, j'ai envie de dire on a eu de la chance, mais je peux vous assurer que mais même après 10 minutes, après 20 minutes, après l'achat du monde, mais on avait nos bras qui tremblaient. Je peux vous l'assurer, mais on avait nos bras qui tremblaient encore tellement que c'était putain d'épique. Et franchement, mais quand j'ai vu qu'il restait 5 secondes. Que ça freeze, je voyais les 5 secondes ça bloquait, j'ai fait et là je vois la petite fenêtre qui affiche qu'on a le round, mais je vous jure que j'ai joui dans ma tête, c'est limite ça quoi, c'est, y a pas d'autre mot pour vous dire qu'à tel point c'est juste magique, parce que là regardez le terrain qu'on a, vas-y on fait la course, attends, commencé à courir toi, tu m'as pas attendu quoi, ah j'ai pas ton phoenix, ah mais attends, je suis con. J'ai la dragon d'Inde. Merde aussi. Regardez-moi cette taille, mais je peux vous assurer que ce Avromonde méritait bien. Enfin, que notre guild méritait ce Avromonde parce que j'ai tellement d'events que je peux faire. Cette possibilité, c'est juste magique. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait absolument avoir ce Avromonde. Et puis voilà, je peux dire que voilà. Et en plus, écart, ça fait je sais pas combien d'années que tu voulais ce Avromonde, que tu t'es fait avoir. Après, voilà, après je pense que ce soir là, comme event, j'ai envie de dire FAQ Guild. Franchement, y'a rien de mieux. Normalement, je procurerais tout le monde en vocal. Franchement, enfin tout le monde. Franchement, je pense qu'il y aurait une bonne majorité en vocal. Et puis voilà. Je pense que je mettrais sur la chaîne TIT parce que ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur TIT Team Mad. Puis voilà, après, j'ai envie de dire, là j'ai déposé, mais toute, enfin pas toute ma déco, mais ma déco de Havresac, quoi. Maintenant, ça me sert plus à rien, moi, Havresac. Le Havresac de Kid, je vous dis, les Havregem Jardin, je les vends, je m'en bats les couilles, il sert plus à rien. Ou alors, je garde des Havregem Jardin, mais juste pour aller mettre des grains de blé au cas où si ma Dragodan meurt, ou etc. quoi. Mais sinon, voilà. Le Havremonde, c'est super bien, et on va pouvoir en profiter, et c'est ça qui est parfait. Et on remercie d'ailleurs tous les membres de la guide qui sont venus nous aider, et les alliés qui nous ont aidés pour avoir ce monde. Surtout Tsania, mais bon, qui faisait un petit peu le con, mais s'amusait.
Alors, Zaba qui a failli nous trahir, mais heureusement il restait neutre, franchement, parce que bon, je pense qu'il. Il a stressé. Moi, Gilles, il a commencé à transpirer du cul quand il a dit « Ah, t'es là, on est en train de filmer, là. » Il s'est dit « Oh, merde. » Non, je rigole. Non, franchement, ça va. Franchement, on lui en veut pas, même s'il a aidé. Il était entre les deux. Il était entre Planetarium et nous, tu vois. Donc, ouais, on le comprend. Franchement. Après, voilà. Après, je... Franchement... J'espère, après, franchement, GG aux autres guilds qui ont eu le monde, franchement. Il y en a peut-être des guilds qui méritent pas d'avoir le monde, certes. Après, pas le choix. Parce que le monde le plus cher, je crois, ça devait être peut-être Royaume Sadida, hein, parce qu'il était à 200 millions d'un coup, en moins de 1 minute même pas. Quand j'étais là-bas, là, c'était mort, quoi. Et donc, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire ouais. Après, bon, les Priatum qu'ils ont voulu nous faire chier, bon, ça, bon. C'est eux, après, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, mais bon. Mais c'est ça, bon, après, ils ont voulu aider, je sais plus qui a guide, sachant que eux, ils l'ont eu. Non, c'était, comment ça s'appelle? Non, c'est Multi Elementary, je sais pas quoi. Donc, une petite guide, franchement, de random, donc voilà. Et après, t'avais qui? T'avais Miu Miu, je sais pas quoi. Après ouais donc Miu Miu qui nous provoquait donc du coup ben il faisait un peu monter le prix après je crois que ils ont eu leur avant monde je sais plus où mais sinon voilà après je crois que j'ai plus rien à dire hein, franchement je suis comblé, je suis heureux franchement, je peux vous dire c'est ça tout à guide etc franchement. C'est grâce à... Et un gros merci à Hero, parce que c'est lui, c'est Hero, Hero Zif ou Hero Power, enfin Sacha en gros, qui a enrichi le Havre Monde, mais vraiment quoi, c'est lui qui a réussi à enrichir quoi, c'est le seul qui s'est pas fait aggro plusieurs fois, enfin, qui s'est pas fait aggro d'un moment. C'est juste parfait quoi. Et après on a utilisé la technique du popo, j'ai vu qu'il y en avait un, je me suis dit non, je pense pas que... Et là je vois que ça et... C'est juste énorme quoi, franchement un gros merci à eux. C'est... Chaque membre ont servi à quelque chose, même s'ils se sont fait défoncer, même s'ils n'ont servi à rien. Franchement, c'est pas ils ont servi à rien, ils ont servi à quelque chose, franchement, et c'est ça qui est beau. Et vive la Timade.